Salut! Alors aujourd'hui, dans cette vidéo consacrée à cette Corse, je vais vous faire découvrir un mode Renault RS01. Donc la Renault RS01, c'est cette formule monotype faite par Renault, avec cette voiture qui est une monocoque en carbone, avec le moteur de la Nissan GT-R, donc, hein, puisque Nissan appartient à Renault. 1120 kg, 550 chevaux, donc un engin qui devrait être pas mal. Elle n'existe pas d'origine dans le monde, enfin il n'y a pas de Renault non plus dans cette Corse. Je crois qu'elle y est dans R Factor 2, je crois qu'elle y est. Et je sais pas si c'est pas un mode non plus, et je sais plus dans quel jeu elle y est aussi. Mais elle n'y était pas dans Assetto Corse, donc elle est sympa, hein, vous voyez. Et on va laisser ça sur le circuit belge de Spa. Bon, sympa, hein, j'aime bien le rouge en plus, moi. Sympa les portes en élytre et tout. Ça a l'air d'être un bel engin, ça aussi. Allez, on va voir ça. Entend bien le bruit du V6 là. On sent bien qu'on a affaire à un 6 cylindres, un V6. À cette vitesse. La boîte n'est pas réglable, mais à cette vitesse, elle est assez bien étagée. Puisque... j'arrive à mettre la septième. Alors, elle est assez délicate à la réaccélération. Assez survireuse à la réaccélération, faut se méfier. Dans le premier tour aussi avec les pneus froids, c'est pas terrible. Bien précis en tout cas, s'ouvrir pas d'un poil. Ça part chaud. En plus de 250, hein. Pas mal aussi. Alors, mollo en première, là, avec les roues braquées, on va attendre d'avoir les roues bien droites, voilà. Alors, on va essayer de passer en 6. Bon, à fond, je me doute que je passerai pas. À fond, ça passe pas. Non, ça passe en 6, ça va. Ah ouais, 260, ouais, 270. Ah, ça marche, hein, quand même, hein. 280. Ah ouais, à fond. Hey, regardez la vitesse de pointe. Hop là, hop. Ouais, délicat, hein. C'est même pas qu'on freine dans la pluie, hein. Qu'on freine trop tard avec les roues braquées, vous avez vu, c'est même pas ça, hein. Bon, je sais qu'elle prend 280. Au prochain tour, je regarderai pas. Je freinerai où il faut. Thank you.
marche bien quand même. Hein. Ça survient légèrement, mais c'est gérable. Bon, je sais que je prends 280, mais il faut freiner avant. Voilà, c'est mieux. Pas piloter, j'aime bien. Bon, il faut pas freiner avec les... Si on freine trop tard et qu'on continue à braquer, vous avez vu, elle est très très vive hein, à ce moment-là, elle est très délicate. Et il faut être assez rigoureux. Hein. Parce que même à l'accélération, elle a une grosse tendance survireuse, elle n'aime pas qu'on freine en appui. Mais dans l'ensemble, ça va, une fois qu'on a compris le coup, bon auto. Hein. Passe bien, passe fort là dans ce rouge. Là. On juge mieux son comportement et finalement c'est pas si mal que ça. Hop là, le vibreur, elle aime pas ça non plus. Hein. Petit survirage sur le vibreur. Oh là aussi. Ma manche là, passe en 3, pas besoin de mettre la 2. Là, il y a du couple là dans ce V6 biturbo. Hein. Ah, trop large! Aussi, oui, j'ai fait ce qu'il faut pas faire. Ça va, je m'en suis bien tiré. Je l'aime bien, ce R0. Hein. Faire le freinage dégressif avec, sinon on a tendance à bloquer les roues.
de mieux. Allez, encore un tour. Chaque fois, hein. La boîte est pas réglable, mais elle est bien étagée, ça va. En version définitive, hein. Comme souvent avec les mods, elle évolue. Celle-là est en version 0.8, je crois. On pourrait peut-être revenir à la version 1.0. Et déjà, c'est bien. Hein. Déjà, pour une version 0.8, c'est pas mal du tout. Hein. Je gagne un peu à chaque tour. Allez, on va la garer. Ben, une excellente auto, hein, qui, je vous dis, elle n'est pas finalisée. C'est pas une version 1.0 encore, c'est une version 0.8. Mais déjà, c'est bien. Hein. J'aime bien le son du moteur, j'aime bien le comportement. Elle est un peu délicate à la réaccélération et sur les vibreurs. Ou si on freine un peu trop tard et qu'on garde les roues braquées, elle a tendance à partir de l'arrière. Bon, ça, c'est un peu normal. Mais une excellente auto, hein, vraiment très surpris, hein, moi. Vraiment, j'ai bien aimé. Je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude. Et si vous avez cette Corsa, je vous recommande, hein, d'essayer cette Renault RS01. Et quand sortira la version 1.0, j'y reviendrai voir si c'est mieux. Mais déjà, là, c'est très bien. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez suivre mon actualité, vous avez le lien de mes pages Facebook, Instagram et Twitter. Je vais y arriver dans la description de la vidéo. Ciao !